C'est quoi le bonheur d'après vous? Le bonheur, comme disait quelqu'un, est une trajectoire. C'est une destination qu'on doit atteindre, qu'on vit tous les jours. Donc, c'est un état également d'esprit. Donc, le bonheur, c'est faire des petites choses et se sentir bien. C'est-à-dire que lorsqu'on a de l'allégresse, on peut dire qu'on est heureux. D'après vous, c'est quoi être heureux? Être heureux, Oui. c'est se soucier moins de ses malheurs. C'est ça, être heureux. C'est ça, être heureux. Et Parce vous? que le bonheur, ce n'est pas l'absence du malheur. Pour moi, pour le bonheur, c'est une perception différente du malheur. Et comment on l'obtient? C'est en faisant des petites choses qui nous rendent heureux. Donc, il suffit de déterminer qu'est-ce qui me rend bien, par exemple, pour quelqu'un qui aime boire ou qui aime chercher les femmes ou bien qui aime aller en boîte, s'il peut le faire, ou qui aime manger tout simplement. S'il mange le repas qui lui convient, je crois qu'en mangeant, l'action de manger ce qui lui plaît lui rend heureux. Donc il faut déterminer ce qui nous rend heureux. C'est des petites choses au quotidien qui nous rendent heureux. Et toi, Viviane, est-ce que tu es heureuse? On ne peut pas dire qu'on est heureux, mais on le vit le jour, parce que ça peut être pointé de... Quand il fait jour, il fait nuit, hein. Bon. Donc, on est heureux quand on fait ce qu'on aime. Et je pense que je fais ce que j'aime, je peux dire que je suis heureuse. Ok, regarde les internautes, dis-leur que tu es heureuse. Mais je suis heureuse! Ça se voit, vous êtes deux. Vous dégagez plein d'énergie. Et vous, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que je suis heureux? À l'instant, je vous parle, je suis très heureux. Mais ça se voit. À l'instant, je vous parle, je suis très heureux. J'ai réussi à faire beaucoup de réconciliations ces temps-ci. Et je dirais que je suis en paix avec moi-même, mon être, mon psychique, mon esprit, mon âme et la personne que je suis. Super. Et qu'est-ce que vous dites aux personnes là qui se croient malheureuses? Aucune situation n'est permanente dans la vie. Demain, vous serez peut-être moins heureux ou plus heureux qu'aujourd'hui, mais ce qui me fait, c'est que vous ne serez pas dans la même situation que vous êtes aujourd'hui. D'accord. Tout finit par passer, le bonheur comme le malheur. Je veux ajouter une petite chose. Être heureux, c'est aussi avoir beaucoup d'optimisme. C'est-à-dire, même quand tout va mal, on accuse le coup et puis on se remet après. Donc, il faut accuser le coup. On ne refuse pas qu'il faut pleurer, mais on pleure. Mais après, on se dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, c'est la petite dose d'optimisme qui permet à ce qu'on peut dire qu'on est heureux.